Moi, je m'appelle Nathan Gourou, j'ai 21 ans aujourd'hui. J'ai commencé le MMA en 2022, début 2022. Et aujourd'hui, j'ai deux combats. Pour ceux qui suivent le 100% Fight un peu, vous m'avez sûrement vu au tour précédent de la Supreme League. Et donc voilà, j'ai jamais fait de sport de combat avant, j'ai commencé directement par le MMA. Donc pur produit du MMA. J'avais affronté Arnaud Ferron, donc de la Snake Team, que j'avais battu par décision unanime. Donc c'était un combat, c'était mon premier combat. C'était une expérience pas mal, j'ai bien aimé. Mais je pense que j'aurais dû un peu plus me lâcher. Et du coup j'ai combattu un mois plus tard. Donc j'ai affronté Théo Boudin. Je pense qu'il est pas mal connu dans le milieu du MMA. Ça s'était moins bien passé. La différence d'expérience s'est fait ressentir. Et il l'a emporté, bon ça fait partie du jeu. Mais on espère que ce soir, ça va se passer différemment. Alors ce soir, j'affronte Youssef Chorfa de la Ghost Arena. Donc je crois que c'est une équipe de Lyon. Ce soir, j'espère un KO. Enfin, j'espère gagner déjà dans un premier temps. Et puis avec la manière, ce serait mieux. Donc voilà. Constater Arthur, désolé j'en perds mon français, ça fait plaisir de revenir victorieux. Après si je pense que tu étais là le 1er juillet, ça s'est vraiment pas passé comme ce soir, j'étais beaucoup moins content et aujourd'hui ça fait plaisir de... Ouais. On va faire un petit examen champion, d'accord? Ouais d'accord. Rien, voilà. Lâche rien, ouais, ouais. On souffle, tout ce que t'as, voilà, t'es jeune, lâche rien. Ouais je voulais remercier Boris Johnstone. Mon coach, bien sûr, c'est le premier coach qui a posé les yeux sur moi et qui a su voir mon potentiel. Bien sûr, Arnaud Templier aussi, coach de pied-point. Et Hatch, pour la confiance qu'il m'accorde. Il m'a appelé mercredi dernier pour ce combat. Donc, j'étais pas préparé, mais je voulais me montrer. Je voulais honorer sa confiance. Je sais pas si ça se dit, je crois. Ouais. Et voilà, je pense que c'est réussi. J'irai le voir, lui dire deux, trois mots après. Et je suis vraiment content et j'espère que tous les membres de la Hatch. Vont l'emporter peut-être même mieux que moi ce soir. Je savais comment gagner mon combat. Dès les premières secondes, j'ai lu son jeu et je savais que pour gagner, il allait falloir égrener le temps parce qu'il était plus petit que moi, donc il rentrait beaucoup en crochet large. Il était vraiment pas mauvais, mais c'est. Bon, j'ai pas non plus 30 combats en MMA, mais je pense que le fait que j'ai deux combats de plus que lui et que j'ai combattu ici spécifiquement, ça a joué. Donc, je suis content du résultat.